puissance divine, chef de ma foi. Chaque jour dans ta présence, chaque jour éternel, notre Dieu qui passe, demeurer dans ta présence, rester auprès de toi, jouir de ta présence, nous délecter des délices qu'il y a dans ta maison, Seigneur notre Dieu. Oui, voilà pourquoi, une fois de plus encore ce soir, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là pour toi, éternel notre Dieu. Nous sommes là pour toi. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul, notre Dieu. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. En ce mardi 3 juillet 2020. Bien-aimés, en ce vendredi 3 juillet 2020. Bien-aimés, nous voulons commencer notre temps d'intercession. Pour cela, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans les psaumes 103, du 1er au 5e verset. Psaume 103, du 1er au 5e verset. Bien-aimé, savoir dire merci à Dieu est une attitude que nous devons avoir tous les jours. Nous reconnaissons ses bienfaits dans nos vies. Nous lui rendons grâce pour ce qu'il a fait. Cependant, cette attitude devant notre Seigneur l'incite à intervenir. Oui, bien-aimé, l'action de grâce, dire merci à Dieu, provoque son intervention dans nos vies. Psaume 103, 1 à 5, de David. J'ai la version Louis II. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, bien-aimé, les psalmistes voulaient que son âme reconnaisse les bienfaits de Dieu. Nous aussi, ce soir, nous voulons élever nos voix pour reconnaître les bienfaits de Dieu envers nous. Oui, bien-aimé, nous avons commencé un nouveau mois. Nous avons abordé un nouveau semestre. Le Seigneur nous a fait grâce, la grâce de la vie, l'être et le mouvement. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire en notre faveur. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta protection. Oui, bien-aimé, chaque jour le Seigneur était présent. Oui, sa présence nous a rassurés. Lorsque
traversé des moments difficiles, sa présence était là. Le Seigneur nous a fait du bien. Un nouveau mois, un nouveau semestre. Nous bénissons le nom de Jésus. Oui, Jésus, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu continues de faire. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu as promis de faire envers nous. Oui, ton amour pour nous est grand. Chaque matin, Ezoko Mayasika, bien-aimé Pambola Nzambe, Bola Mounaye Ponabiso, Ezana Soukate, elle se renouvelle chaque matin. Sa fidélité s'élève jusqu'aux cieux. Tendre Père, reçois la reconnaissance qui monte du dedans de nos cœurs. Nous te bénissons pour ce que tu fais. L'être, le mouvement, le souffle qui nous anime nous vient de toi, éternel notre Dieu. À qui pourrions-nous te comparer? À qui pourrions-nous te ressembler? Tu es bon, tu es puissant dans ta manière de sauver, dans ta manière de nous faire du bien. Tu nous as comptés parmi les vivants. Tu as ramené nos âmes du séjour des morts. Nous avions un pied dans la fosse. Le Seigneur n'a pas permis que nous tombions. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, dis-lui merci, dis merci à notre Dieu. Rendons-lui des multiples actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Toi qui nous aimes, toi qui prends soin de nous. Oui, ta grâce éternelle, notre Dieu, est suffisante, éternelle, notre Dieu, oh, envers nous. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Bolingonayo, bolingonayo, Yesu. Ah, zwanayo loko, zwanayo kembo, neto la manayo, mosungi na kokamo. Zambé na bolingo, bolingo na yezana soukate. Ah, tu nous as renouvelé la vie. Tu nous comptes parmi les vivants. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Jésus, en toi, Seigneur, notre Dieu. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oui, en toi, nous avons la vie. En toi, nous sommes sauvés. En toi, éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu. Bolingo na yo, éternel, notre Dieu. Ah, zwana yo loko, zwana yo kembo. Tes bienfaits sont innombrables. Tes bienfaits sont innombrables. Nous ne pouvons le compter tant que leur nombre est grand. Oui, Seigneur mon Dieu, béni sois-tu, Seigneur. Ton amour éternel, notre Dieu. Ton amour éternel, notre Dieu. Nous avons reçu Jésus, l'amour parfait, l'amour parfait. Ton amour, Seigneur. Ton amour éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ton amour éternel, notre Dieu, que tu ne cesses de nous manifester. Tes bienfaits, Seigneur, sont innombrables. Ah, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu. Tes bienfaits sont innombrables. Leur nombre est grand. Seigneur, si nous pouvons nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons les compter. Mais au travers de chaque battement de nos cœurs, éternel notre Dieu, trouve l'expression profonde de notre reconnaissance avec toi. Au travers, Seigneur, chaque respiration que nous prenons, trouve l'expression de notre reconnaissance, Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimé, les bienfaits de notre Dieu sont tellement grands et innombrables. Son amour pour nous n'a pas de fin.
Le psalmiste pouvait le reconnaître. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Car l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos transgressions. Bien-aimés, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime afin d'obtenir miséricorde pour nous et pour nos familles. Son sang est disponible, sa grâce est disponible. Il peut nous pardonner. Nous voulons nous approcher d'un Dieu saint. Sanctifions-nous, bien-aimés. Reconnaissons nos fautes au-devant de lui et implorons son pardon. Jésus. Bolimbisiama somo kakepainayo. Le pardon auprès de toi. Nous venons près de toi. Humblement, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. C'est contre ta loi et contre, Seigneur, tes commandements que nous avons péché. Dans nos pensées, Éternel, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur. Bien-aimé, avons-nous aimé le Seigneur de tout notre cœur? A-t-il été le fruit de nos pensées? La raison d'être de nos vies? Nous venons près de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ah, to kitili bosolo yo Yesu. Poyo limbisa. Limbisa bison zambe. Limbisa bakanda. Limbisa les murmures, Éternel notre Dieu. Les murmures, Éternel notre Dieu. Les inquiétudes de toute nature, Éternel notre Dieu. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Ah, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel, notre Dieu. Nous venons auprès de toi obtenir miséricorde, Seigneur. Pour nous, Seigneur, au Dieu des armées. Et pour nos familles, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Ah, limbissa, limbissa. Autant tu éloignes, Seigneur, de nous nos transgressions, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a coulé. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Pour le sang de Jésus, merci pour le pardon, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oh, tu nous as tant aimés que tu nous as donné, Seigneur, le pardon éternel, notre Dieu. Ah, que tu ne nous traites pas, Seigneur, ô Dieu des armées, selon nos iniquités, mais tu pardonnes et tu oublies. Pardonne, Seigneur, notre Dieu. Les murmures de nos cœurs, pardonne Seigneur notre Dieu, les inquiétudes éternelles notre Dieu. Ah bien aimé, la Bible nous dit, qui peut de lui-même, à cause de son inquiétude, ajouter à sa vie, ne serait-ce qu'un coudée. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons Seigneur, que les inquiétudes ne nous ont menés à rien. Les murmures ne nous ont menés à rien. Nous revenons auprès de toi. Parce que le pardon ne se trouve qu'auprès de toi. Afin que l'on te craigne. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Alléluia. Namakila na yo. Sokola biso tokoma sembo liboso na yo. Tokoma sembo liboso na yo. Merci Seigneur.
Ah, parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, Seigneur. Fais-nous bon accueil ce soir, Seigneur notre Dieu. Honore-nous par ta présence, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, en ce nouveau mois que nous avons commencé, en ce second semestre de l'année, nous avons besoin, une fois de plus encore, du Saint-Esprit. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 29 jusqu'à la fin, la Bible nous dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, nous avons besoin de la force qui vient de l'Esprit de Dieu. En ce nouveau mois, nous voulons commencer avec une force renouvelée. Nous ne voulons pas compter sur nos propres acquis, mais nous voulons compter sur la grâce, sur le soutien, sur l'accompagnement de l'Esprit, sur la force qui vient de lui. Ainsi, bien-aimés, élevons nos voix et prions, demandons à l'Esprit de Dieu de renouveler nos forces, dans la prière, de renouveler nos forces pour continuer à espérer et à nous attendre à Dieu. Bien-aimés, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Ah, renouvelle leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah, bien-aimé, Tozana posaya makasia sika. Tozana posaya makasia sika. Nous avons besoin de prendre un nouvel élan en ce deuxième semestre de l'année, en ce nouveau mois. Que le Saint-Esprit renouvelle nos forces, qu'il nous donne un nouvel élan. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, bien-aimé. Parle à l'Esprit, demande à l'Esprit qu'il renouvelle nos forces, ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces dans la présence de Dieu. Remplis-nous de toi, de la force qui vient de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Une fois de plus, nous avons besoin de toi. Ah, Tondisabiso. Namakasio ko utepai na yo. Na kembo na yo. Tondisabiso bolimo no santu. Ah, Tosana posana yo. Renouvelons-nous des capacités nouvelles. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces. Nous avons besoin de toi. Il court et ne se lasse point. Il marche sans se fatiguer. Continuez dans la prière. Espérez, nous attendre à toi. Demeurez. Nous avons besoin de toi. Nous voulons commencer ce semestre avec toi. Nous voulons commencer ce mois avec toi. Remplis-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta présence, de ta puissance, de ton onction. Nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces dans la présence de Dieu. Renouvelle nos forces dans la présence de notre Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Ah, nous voulons prendre l'envol. Nous voulons prendre l'envol comme des aigles. Nous voulons naviguer sur de mieux s'élever comme des aigles. Nous voulons atteindre une vitesse de croisière comme des aigles. Nous voulons nous élever au-dessus de nos problèmes. Comme des aigles, nous voulons nous élever au-dessus de nos soucis. Comme des aigles, nous voulons atteindre les hauteurs avec toi. Ainsi, remplis-nous, transforme-nous, change-nous, remplis-nous, salons de force, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ah, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelle leur force, renouvelle leur force. Makasia zoko mayasika, makasia ko umela, makasia ko bondela, makasia ko zela, makasia ko lukanzambe, makasia ko umela dans la présence de notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que nos forces se renouvellent. Que nos forces se renouvellent. Que nos forces se renouvellent. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit pour ce mois, pour ce nouveau semestre. Nous voulons nous élever au-dessus de nos problèmes. Nous voulons prendre notre envol comme l'aigle. Ah, bien-aimés, la Bible nous dit dans le psaume 84, oh, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant l'Éternel à Sion. Que le Seigneur augmente notre force. Wanatozo Pusana, Wanatozo Tambola. Là, nous sommes en train d'aller vers le 4 pendant ce mois de juillet. Que nos forces se renouvellent. Que nos forces se renouvellent. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, que nos forces se renouvellent. Fatigués, mais poursuivons toujours. Renouvelés. Renouvelés par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Renouvelés par la force que le Saint-Esprit nous donne. Là, le mois sont en train d'avancer. Le mois de juillet, le second semestre, leur force augmente pendant la marche. Oh, plus le temps est en train de passer, plus notre foi est en train de grandir, plus l'espérance est en train de grandir, plus l'Esprit est en train de prendre le contrôle. Plus nous sommes en train de grandir, plus nous sommes en train de prendre la force de nous attendre à Dieu. La force de nous attendre à Dieu. La force de nous attendre à Dieu. Ah, il court et ne se lasse point. Il court et ne se lasse point. Il court et ne se lasse pas. Ah, bien-aimés, nous avons commencé un nouveau mois. Un nouveau semestre a commencé. Nous voulons l'aborder avec le Seigneur. Bien-aimés, 1 Corinthiens au chapitre 9. L'apôtre Paul est en train de parler. 1 Corinthiens 9, le verset 26. Je suis en train de paraphraser l'apôtre Paul. Il est en train de dire, « Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant en l'air. » Ah, bien-aimés, nous voulons courir, non pas comme à l'aventure. Nous voulons commencer ce mois, non pas comme à l'aventure, mais étant conduits par l'Esprit. Nous voulons prier, non pas en multipliant des paroles vaines, mais avec la révélation qui vient de l'Esprit. Nous voulons nous engager dans l'action, non pas en imitant tout le monde, mais en ayant l'intelligence et la sagesse renouvelée par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces. Nous voulons prier selon la révélation qui vient de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Ah, bien-aimé, ce mois a commencé. Le Seigneur nous donne à tous les mêmes opportunités. Nous avons besoin de commencer avec lui, déposer les fondements avec lui. Ce semestre a commencé. Nous voulons l'entamer avec le Seigneur. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, Saint-Esprit. Mosungi malam. Mosungi malam. Nous avons besoin de toi. Mosungi malam. Ah, Molingami a solo, le véritable consolateur. Ah, nous voulons avancer, oubliant ce qui est derrière, mais avancer avec toi, Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, des nouvelles choses avec toi. Ah, il y a des nouveaux défis qui nous attendent, bien-aimés, par le Saint-Esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Reçois de l'Esprit la force d'amorcer et de vaincre, de remporter les défis qui se présenteront devant toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Wanatozo posana. Renouvelé, renouvelé par toi. Pris en charge par toi. Conduit par toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ah, nous ne voulons pas naviguer selon la vue. Nous ne voulons pas voir les choses avec nos propres yeux. Mais nous voulons voir les choses dans la révélation de l'Esprit. Ah, bien-aimé, la Bible nous dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi nous avons besoin de marcher. Non en nous appuyant sur nos propres acquis. Non en nous appuyant sur ce que nos yeux voient, mais en nous reposant sur le Seigneur. En nous appuyant sur le Seigneur. Contempler les choses à la lumière des dieux. Ah, bien-aimés, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Nous ne savons pas ce que sera le 15 juillet. Mais le Saint-Esprit, celui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, est capable de nous conduire au travers les vagues, au travers les embûches, au travers les sillons. Il est capable de nous orienter et de nous amener à bon port, dans les verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Saint-Esprit, merci parce que tu nous conduiras. Merci parce que tu nous conduiras. Merci parce que tu nous révéleras le Père. Merci parce que tu prendras ce qui est en Christ et tu nous le communiqueras. La paix de Christ, l'assurance de Christ, la joie de Christ, tu nous le communiqueras. L'autorité de Christ, le pouvoir de Christ, la puissance qui était en Christ, tu nous le communiqueras. Le véritable consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, tu glorifieras Jésus dans nos vies. Tu glorifieras Jésus dans ce mois que nous avons commencé. Ah, bien-aimé, nous le croyons que le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Il glorifiera Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimés, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. Nous voulons nous présenter devant le roi des rois. Nous voulons venir dans sa présence. Nous voulons répandre nos cœurs devant le roi des gloires, devant celui qui est digne de recevoir
la louange et l'adoration de son peuple. Bien-aimé, ainsi renouvelé par le Saint-Esprit, approchons-nous de Dieu, offrons-lui l'adoration qui lui est due. Nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer parce qu'il en est digne. Oui, bien-aimé, nous faisons monter notre adoration devant le roi des rois, devant le trône inébranlable, devant celui qui vit et règne à tout jamais, devant celui que nous aimons, celui à qui nous appartenons. Oui, bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Les vrais adorateurs, ah, qu'est des adorateurs, adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit. Ah, bien-aimé, monte dans l'adoration. Monte devant le trône. Adore celui qui est assis. Ta présence dans ma vie. Alléluia. Oui, ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Thank you.
Dieu et nous lui appartenons. Ah, bien-aimé, fais monter ton adoration devant celui qui est assis sur un trône inébranlable. Nous sommes en train d'adorer le Créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses. Il a fait toutes choses. Il a pensé et elles sont venues à l'existence. Il a envoyé sa parole et elle a créé toutes choses. Son esprit nous anime. Le souffle qui est en nous lui appartient. Nous sommes créés pour la gloire de notre Dieu, pour lui donner l'adoration, pour lui donner la gloire qui lui est due. Ah, bien-aimé, fais monter ton adoration. Oui, nous sommes en train de nous approcher du trône, 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 devant le trône. Le trône de la grâce, le trône, le trône, le trône, le trône. Ah, bien-aimé, adore devant le trône, adore devant le trône. Le trône de Dieu, le trône de Dieu, son autorité, son trône, son trône. Alléluia. Oh,
dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Ah, bien-aimé, la Bible nous dit que notre Dieu est entouré des 24 vieillards, des 4 êtres vivants qui jettent leur couronne devant la sainteté de notre Dieu. Ils jettent leur couronne. Nous aussi ce soir, nous voulons nous jeter, répandre nos cœurs devant celui qui est saint. Nous voulons lui dire: sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Comme les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, nous voulons le proclamer: sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Bien-aimé, bien-aimé, comme les vieillards, sainteté à son nom. Ah, proclamons sa sainteté, sa sainteté, sa sainteté. So
Asamo santu na poko alelo elongo na bampaka tozo yemba devant l'astre brillant qu'est notre Dieu, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, sainteté à ton nom. Et Maraba Santa, Hokukani Namo, Tonte, Yahweh, Obonga Namo, Zambe, Yahweh, Ozamo Santu, se mesurer à lui. Personne, personne ne peut l'égaler. Il est celui qui habite une lumière inaccessible. Mais à nous, il nous accorde la grâce d'accéder dans sa présence, de venir dans sa présence avec reconnaissance. Personne n'est comme lui. Il habite une lumière inaccessible. Mais à nous, la grâce nous a été faite d'accéder dans les lieux très saints, de contempler la gloire de notre Dieu, d'admirer sa majesté, d'admirer sa toute-puissance, de contempler la magnificence de son Saint-Temple. Alléluia. Il est Dieu. 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 Bien-aimé, contemple la grandeur de ton Dieu. Contemple la grandeur de ton Dieu. La Bible nous dit qu'il a étendu les cieux. Contemple la grandeur de ton Dieu. Contemple-le. Contemple la grandeur. Il a étendu les cieux et sa gloire se manifeste partout dans l'univers. Contemple le Seigneur. Oh bien-aimé, ne pense à rien d'autre. Contemple seulement le Seigneur, assis sur son trône. La Bible nous dit que celui qui était assis sur le trône était comme un agneau immolé. Il avait l'aspect d'un lion, l'agneau immolé. Les lions de la tribu de Juda
le Dieu qui se manifeste des différentes façons pendant que nous l'adorons. Il se révèle comme l'agneau immolé, celui qui pardonne les péchés du monde. Devant nos ennemis, il se révèle comme le lion de la tribu de Juda, le Dieu puissant. C'est lui qui fait luire sur nous sa face. Et nous pouvons le contempler comme dans un miroir. Alléluia. 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 Contemple le Seigneur. Contemple son amour, sa bonté, son amour. Que son amour remplisse nos cœurs ce soir. Lorsque nous contemplons l'amour, nous aussi, nous recevons cet amour et nous pouvons la communiquer aux autres. Bien-aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois en contemplant les seigneurs? Contemple bien. Reçois quelque chose de cette lumière qui se dégage de lui. Reçois quelque chose qui émane de lui. Qui se dégage de lui. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, oh, nous contemplons la sainteté de notre Dieu. Yeah.
Te louer, t'adorer, te célébrer. C'est la raison. Quand je m'enveloppe de ton amour, une personne ce soir est en train de sentir, il est en train de se sentir être enveloppé de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu te couvre, que l'amour de Dieu t'enveloppe, que l'amour de Dieu te prenne en charge. Alors que tu l'adores, son amour te remplit, son amour te couvre, son amour, son amour, son amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Reçois, Seigneur, l'adoration de ton peuple. Agrée, éternel, notre Dieu, cette adoration qui s'élève. Dans les maisons, les voix s'élèvent. Les cœurs viennent à toi. Les familles viennent à toi. Toi, le Dieu de qui toutes les familles de la terre tire leur origine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, par ce cantique, que l'amour du Seigneur remplisse nos cœurs en ces débuts du mois. Alléluia. Laissons nos cœurs être remplis de son amour. Laissons-nous transporter dans son amour. Son amour est tellement profond qu'il nous sortira de n'importe quel trou où nous sommes. Viens adorer le Seigneur.
Que tu remplis nos cœurs de ton amour. Merci pour l'assurance que nous avons lorsque nous nous approchons de toi. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimé, en ce nouveau mois, en ce second semestre de l'année, nous voulons nous appuyer encore sur le Seigneur pour marcher avec nous et nous accompagner. Bien-aimé, Exode chapitre 33, le verset 14. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, Exode 33, verset 14, l'Éternel leur répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Bien-aimés, ce soir, nous voulons dire, Seigneur, ce mois qui vient de commencer, marche avec nous. Ce second semestre de l'année, marche avec nous. Toi-même, Seigneur, marche au-devant de nous. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons renouveler notre confiance, notre assurance à notre Dieu. Il est celui qui a marché avec son peuple dans les déserts. Il est celui qui a marché avec nous depuis les débuts de cette année. Le premier semestre, oh, il a été avec nous. Nous voulons lui dire, Seigneur, marche avec nous. Nous voulons commencer ce mois avec toi. Nous voulons commencer ce second semestre avec toi. Marche au-devant de nous. Oh, bien-aimé, demande au Seigneur de marcher lui-même au-devant de nous, qu'il nous conduise. Parce que lorsque le Seigneur marche au-devant de nous, il ouvre la voie, il aplanit les montagnes, il abaisse les collines, il ouvre les portes fermées. Lorsque le Seigneur marche au-devant de nous, il est celui qui nous conduit et nous pouvons nous reposer sur lui parce que nous savons que là où il nous emmène, ce sont les verts pâturages. Oui, bien-aimés, nous voulons dire, Seigneur, ce mois
moi encore. Ce semestre qui commence, marche au-devant de nous. Marche au-devant de nous. Oui, bien-aimé, que le Seigneur marche, qu'il marche avec nous, qu'il nous accompagne. Il est celui qui a marché avec son peuple, avec des signes et des prodiges. Lorsque le Seigneur se décide, lorsque nous l'invitons pour marcher avec nous, il est celui qui va faire des signes et des prodiges au-devant de nous. Oui, bien-aimé, que le Seigneur marche lui-même avec nous. Il a marché avec Israël sous la forme d'une colonne de nuée. Ah, que le Seigneur, sa présence nous soit garantie tout au long de ce mois de juillet, tout au long de ce second semestre. Que sa présence nous environne alors que nous serons en train de traverser les jours, alors que nous serons en train de traverser les mois. Que sa présence ne nous quitte pas, que sa présence soit avec nous. Ah, bien-aimé, tozo senga na nzambe atambola ye moko liboso na biso, atambola ye moko na biso tango azo tambola azo fongola nzela azo kweyisa bangomba azo longola ba obstacle azo fongola ba porte oyezali ya kokanga, parce que rien ne peut résister devant notre Dieu. Ainsi, bien-aimé, demande au Seigneur: Seigneur, marche avec moi. Ce mois, marche avec moi. Ce semestre, marche avec moi, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Ah, pas un pas sans les Seigneurs. Bien-aimé, dis-lui: Seigneur, chaque jour à chaque heure, pas un pas sans toi. Me réveiller avec toi, dans la rue avec toi. Quand je travaille, tu es avec moi. Dans la cuisine, tu es avec moi. Dans le transport, tu es avec moi. Marche avec moi, accompagne-moi, parce que je sais, si tu es avec moi, les signes et les prodiges, le miracle vont m'accompagner. Ah, voici les miracles qui accompagneront. Il ordonnera à la bénédiction de nous suivre lorsqu'il marche avec nous. Ah, il marche, il ouvre la voie et la bénédiction nous suit pendant ce mois de juillet, tout au long de ce semestre. Que le Seigneur marche lui-même avec son peuple. Qu'il marche lui-même avec nous, Seigneur. Qu'il nous garantisse de sa présence. De sa présence. De sa présence. Chaque jour, chaque jour. Chaque jour, Seigneur. Garantis-nous de ta présence. Ah. Chaque jour, garantis-nous de ta présence. Bien-aimé, pendant ce mois de juillet, nous ne sommes pas seuls. Au long de ce second semestre, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Il marche et nous assure la victoire. Il marche et il nous garde. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Tout au long de ce mois, Jésus nous gardera. Il nous préservera de tout danger. Non, jamais seul. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Alléluia. Jamais seul. Sa présence nous rassure, nous garantit de lendemain meilleur. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Voici ton sauveur. Je suis avec toi. Voici ton sauveur est là. Promesse suprême. Voici ton rédempteur est là. De terreur, Jésus est là. Me consoler, je marche
jamais tout seul. Le Seigneur est là. Le Sauveur est là. Voici ton Sauveur est là. Voici ton Rédempteur est là. Ah, bien-aimé, nous traverserons ce mois, nous traverserons ce semestre avec l'appui et la présence de notre Dieu. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, bien-aimé, puisqu'il est là, nous n'avons rien à craindre, car il nous garantit de sa protection. Il nous garantit de sa délivrance. Bien-aimé, nous voulons prier pour la protection de Dieu tout au long de ce mois et tout au long de ce semestre. Le psaume 91 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, bien-aimés, nous voulons demander la protection de Dieu sur nous tout au long de ce mois. La protection pour nous et nos familles, mais également que la protection de Dieu soit sur notre pays tout au long de ce mois, tout au long de ce semestre que nous avons commencé. Bien-aimés, nous sommes en train de demander la protection de Dieu selon le psaume 91, à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur nous couvre de son ombre. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous demandons la protection de Dieu. Oh, qui demeure à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, que le Seigneur nous accorde la protection. Que le Seigneur nous accorde la protection tout au long de ce mois. Tout au long de ce mois, que jour après jour, que le Seigneur nous protège face aux dangers, face aux circonstances de la vie, que sa main nous protège. Il est celui qui délivre son peuple à main levée et à bras étendus. Que la protection de Dieu soit sur nous. Que la protection de Dieu nous garde. Que nous soyons gardés, nous et nos familles, dans la présence de notre Dieu, à l'abri auprès du Très-Haut. À l'ombre du Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de demander la protection de Dieu sur nos intérêts, la protection de Dieu sur nos enfants, la protection de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes en train de prier. Oui, bien-aimés, prie. Oui, bien-aimés, prie. À l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur nous couvre de son ombre. Que le Seigneur nous couvre de son ombre. Ah, pendant ce mois de juillet, pendant ce second semestre, que l'ombre du Tout-Puissant soit avec toi, puisque sa présence te rassure, qu'il te couvre de son ombre, qu'il te protège, que l'ombre de l'Éternel te protège contre le soleil. Ah, le soleil ne te brûlera pas. Que l'ombre du Tout-Puissant nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi. Que l'ombre du Tout-Puissant nous préserve, oh, devant les menaces de l'environnement. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier et de demander la protection de Dieu sur nous et nos enfants, sur nous et nos intérêts. Que le Seigneur protège ton travail, que le Seigneur garde ce qui t'appartient, qu'il mette à l'abri ce qui est à toi. Aucun danger ne s'approchera de toi parce que tu seras à l'abri auprès du Dieu Très-Haut. Auprès du Dieu Très-Haut, tu trouveras refuge. Tu trouveras refuge. Ah, bien-aimé, de la même manière que Noé et sa famille ont trouvé refuge dans l'arche, l'arche qui est la présence de Dieu, que nous puissions trouver refuge dans la présence de notre Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant, toi tu seras gardé, ta famille sera gardée, ce qui t'appartient sera gardé tout au long de ce mois, tout au long de ce semestre, parce que l'ombre du Tout-Puissant te couvre et te garde, te protège, te rassure. Sa présence est garantie. Sa force marchera avec toi. Son esprit marchera avec toi. Nous serons gardés.
à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Ah, bien-aimés, parlons de notre Seigneur Jésus. Le psalmiste pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ah, bien-aimé, que la présence de Dieu soit constante, soit continuelle, soit permanente dans notre vie et nous assure la protection tout au long de ce mois. Tout au long de ce mois. Ah, nous serons gardés. Nous serons gardés, nous serons à l'abri. Que le Seigneur mette à l'abri ce qui est à toi. Que la maladie ne te surprenne pas. Que la pauvreté ne te surprenne pas. Que le malheur ne te surprenne pas. Mais que le Seigneur te garde et te mette à l'abri. Que les ennemis de ta destinée, les ennemis de ton travail, les ennemis de ton couple, les ennemis de ta famille, que les ennemis de ta vie ne te surprennent pas. Parce que tu es à l'abri auprès du Dieu Très-Haut. Auprès du Très-Haut. Auprès du Très-Haut. Que sa droite nous rassure. Que sa droite nous rassure. Que sa droite nous rassure. Dans le nom de Jésus. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ah, bien-aimé, toi, tu ne chancelleras pas tout au long de ce mois. Tu ne chancelleras pas. Ta santé ne chancellera pas. Ta famille ne chancellera pas. Ce qui t'appartient ne chancellera pas. Parce que l'Éternel est là constamment. Constamment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est à notre droite, il y a des choses qui se passent. Quand le Seigneur est à notre droite, il est celui qui nous a pris avec lui et nous a fait asseoir à sa droite, dans le trône, dans les lieux élevés. Le psaume 110. Les psaumes 110. La Bible nous dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ah, bien-aimé, lorsque le Seigneur nous fait asseoir, lorsqu'il est à notre droite où nous sommes assis avec lui, le Seigneur fait de nos ennemis nos marchepieds. Bien-aimé, je ne sais pas quel est l'ennemi de ta vie ce soir, quel est l'ennemi de ta destinée, mais nous allons ramener les ennemis sous l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée pendant ces mois de juillet,
toutes les circonstances qui nous seront contraires, nous allons les ramener à nos pieds, sous nos pieds. Ils nous serviront de marche-pied. Oui, bien-aimés, élevons nos voix. Proclame-le dans le nom puissant de Jésus. Puisque tu ne seras pas surpris par les événements, puisque les circonstances ne te surprendront pas, leur place est sous tes pieds, car le Seigneur te dit de dominer sur ton peuple. Ainsi, bien-aimés, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de les déclarer que sous nos pieds, ah bien-aimés, la maladie est sous nos pieds. Les circonstances compliquées sont sous nos pieds parce que le Seigneur nous fait asseoir avec lui à sa droite. Oui, bien-aimés, déclare-le. Rien ne te surprendra parce que le Seigneur te donne l'autorité et la domination de marcher sur tout ce qui pourrait nous surprendre. Ainsi, bien-aimés, oh, exerce cette autorité que le Seigneur t'a donnée sous nos pieds dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est cet ennemi. Est-ce la maladie? Est-ce la maladie? Est-ce la pauvreté? Mais sa place est sous tes pieds parce que le Seigneur nous ordonne de dominer. Ainsi, bien-aimé, déclare-le. La pauvreté est sous tes pieds pendant ce second semestre, pendant ce mois de juillet. Oh, nous ramenons captifs à l'obéissance de Christ les circonstances, les événements qui pourront s'exposer, oh, dans notre vie, dans notre pays, tout au long de ce mois de juillet. Oui, bien-aimé, prie. Proclame-le dans le nom de Jésus. Proclame-le dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donne, nous ordonne de dominer au milieu de nos ennemis. Ah, pendant ce mois de juillet, toi tu vas dominer parce que le Seigneur te l'ordonne. Il ordonne que tu domines, alors domine dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu es en train de dominer et de prendre possession de ce mois de juillet par le nom de Jésus. Tu es en train de déclarer que tu vas dominer, que toi tu seras vainqueur devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème, car ton Dieu ordonne que tu domines, car ton Dieu ordonne que tu domines, ainsi tu vas dominer. Face à la maladie, tu domineras. Face à la pauvreté, tu domineras. Face à n'importe quelle situation, le Seigneur te donne la domination sur tes ennemis. Déclare-le dans le nom de Jésus. Proclame-le dans le nom de Jésus. Proclame-le dans le nom de Jésus. Ah, toi tu domineras. Rien ne te surprendra. Rien ne te surprendra pendant ce mois de juillet. La prière dévance les événements. Ah, bien-aimé, par ta prière, nous sommes en train de dévancer le jour. Nous sommes en train de dévancer le jour. Rien ne te surprendra parce que tu domineras. Le 4, tu domines. Le 5, tu domines. Le 15 juillet, tu domines. Le 20 juillet, tu domines. Le 30 juillet, tu domines. Rien ne sera au-dessus de toi car le Seigneur te donne la domination sur tes ennemis. Le Seigneur nous donne la domination sur nos ennemis. Dans le nom de Jésus, la maladie ne te surprendra pas. La maladie ne te surprendra pas. Les échecs, tu domines sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes en train de dévancer les événements par la prière. Nous sommes en train de prendre possession de ce mois. Nous sommes en train de dominer, de mater les événements, les circonstances qui pourront s'élever contre nous durant ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, prie dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous a donné autorité sur les dominations, sur les puissances, sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, bien-aimés, déclare-le. Les esprits méchants, ceux qui sèment la mort, les esprits méchants, ceux qui sèment la mort, les esprits des morts, ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Peu importe cette mort, qu'elle vienne par la maladie, peu importe le complot de l'ennemi, toi tu domines. Nous écrasons, nous brisons les projets des méchants dans le nom puissant de Jésus. Les projets de nos ennemis tout au long de ce mois, tout au long de ce second semestre, dans le nom de Jésus. La mort est vaincue. La mort est vaincue parce que tu domines sur elle. Tu domines sur la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Ah, le Seigneur fait de nos ennemis nos marchepieds. Cette circonstance qui t'a longtemps résisté, le Seigneur l'amène à s'abaisser devant toi afin de manifester la gloire de ton Dieu.
Ce problème qui a longtemps duré, ce problème qui a longtemps résisté, le Seigneur l'amène à s'abaisser devant toi afin de te servir de marchepied, afin que par sa gloire, le Seigneur t'élève et te propulse aux yeux de tes ennemis. Tout au long de ce mois, tu domineras, tu ne seras pas dominé. Tu écraseras, tu ne seras pas écrasé. Tu briseras, tu ne seras pas brisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu disperseras, tu ne seras pas dispersé. Ainsi, nous sommes en train de déclarer toute armée ennemie qui s'élève contre toi, que l'Esprit de Dieu le disperse, que l'Esprit de Dieu le mette en fuite. Toute armée que l'ennemi a prévue pour marcher contre toi durant ce mois de juillet, durant ce second semestre, qu'il soit dispersé dans le nom de Jésus, qu'il soit dispersé, que tout complot que le monde de ténèbres a élaboré contre ta promotion soit détruit maintenant, soit anéanti maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Oui, bien-aimés, nous sommes en train d'invoquer le souffle de l'Esprit. Ah, que le Saint-Esprit souffle. On nous a appris que le vent de l'Orient, lorsqu'il souffle, il est capable de faire des dégâts dans les camps de nos ennemis. Ainsi, nous sommes en train d'invoquer le souffle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit souffle et disperse nos ennemis. Ah, que cette armée qui marche contre toi soit emportée par le vent de l'Esprit dans le nom de Jésus, qu'il soit emporté comme la paille. Cette armée qui s'élève contre notre nation soit balayée par le souffle de l'Esprit. Oh, que ce complot contre notre nation soit brisé par le souffle de l'Esprit. Bien-aimé, invoque le souffle de l'Esprit, que le Saint-Esprit souffle, qu'il le balaye, qu'il emporte les ennemis, qu'il les emporte comme la paille, qu'il les emporte comme la balle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, il brise des têtes. Les têtes qui s'élèvent, ces auteurs qui se lèvent, seront brisées. Ah, bien-aimé, proclame-le ce soir. Quiconque s'élèvera contre ta promotion durant ce mois, tout au long de ce semestre, quiconque s'élèvera contre tes intérêts, sera brisé dans le nom de Jésus. Proclame-le. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Ah, tout auteur sera abaissé. Tout au long de ce mois, je ne sais pas qu'est-ce qui veut s'élever contre toi. Et c'est la maladie qui veut s'élever. Elle sera abaissée. Et c'est la mort. Elle sera abaissée. Elle sera détruite. Elle sera brisée. Je ne sais pas quel est cet auteur. Mais la Bible nous dit, nous ramenons les auteurs à obéir à Christ Jésus. Parce qu'à la croix, il a fait des captifs. Ainsi, bien aimé, proclame-le dans le nom de Jésus. Que toute montagne au-devant de toi soit abaissée. Que toute hauteur qui se lève contre toi, contre ta promotion, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton travail, contre tes entreprises, soit abaissée maintenant parce que tu as reçu la domination. Ah, que tout ce qui s'élève, que les hauteurs qui s'élèvent contre notre nation soient abaissés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il sera brisé. Il sera détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces auteurs qui se lèvent orgueilleusement et fièrement contre l'autorité de notre Dieu, contre ses promesses pour toi, contre son plan merveilleux pour toi, qu'ils soient abaissés dans le nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute hauteur à obéir à l'autorité du Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa nature, brisé dans le nom de Jésus. Quelle que soit la sorcellerie de la famille, brisé dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le complot, quels que soient les envoûtements, brisé dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit l'enchantement, brisé dans le nom puissant de Jésus.
brisée dans le nom puissant de Jésus. Brisée dans le nom puissant de Jésus. Nous ramenons toute hauteur à s'abaisser devant le nom de Jésus-Christ. Que la maladie fléchisse, que la pauvreté fléchisse, que tout genou fléchisse devant le Seigneur pour ce mois, dans le nom de Jésus. Que toute colline soit abaissée, que toute montagne soit abaissée, afin de libérer le passage, afin de te laisser libre. Que tout obstacle soit ôté tout au long de ce mois. Que tout obstacle soit ôté, l'obstacle pour ta promotion soit balayé par le souffle de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Il boit au torrent pendant la marche. Voilà pourquoi tu relèveras la tête. Voilà pourquoi tu relèveras la tête. Parce que nous sommes en train de boire au torrent qui donne la vie. Nous reprenons de force pour avancer. Nous reprenons de force. Ah, bien-aimé, à David, lorsque David a vu ce qui lui appartenait être arraché, il a demandé à l'Éternel, « Le poursuivrai-je ?» L'Éternel lui dit, « Tu poursuivras, tu les atteindras et tu récupéreras ce qui est à toi. » Ainsi, bien-aimé, ayant été renouvelé, ah, tout au long de ce mois, tout au long de ce second semestre, quiconque osera toucher à ce qui t'appartient, quiconque osera prendre ce qui t'appartient, tu le poursuivras, tu l'atteindras et tu récupéreras ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Parce que tu es en train de boire au torrent qui donne la vie, parce que tu es en train de boire au torrent qui donne la force, voilà pourquoi tu relèves la tête. Voilà pourquoi tu relèves la tête dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas courbé. Toi, tu ne seras pas courbé. Tu ne seras pas humilié tout au long de ce mois. Car le Seigneur relève ta tête. La confusion n'est pas ton partage. La confusion n'est pas ton partage. Ah, ce n'est pas toi qui vas courber devant tes ennemis, mais le Seigneur va relever ta tête. Tu pourras admirer tes ennemis d'en bas, car le Seigneur te donne de prendre de la hauteur devant tes ennemis. Dans le nom de Jésus, il relève ta tête et te fait élever dans tes lieux élevés. Tu regarderas tes adversaires d'en bas. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi pour ta vie, tout au long de ce semestre, tout au long de ce mois, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu relèveras la tête. Toi, tu ne seras pas plié. Mais le Seigneur va ramener ces choses à se plier devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu relèveras la tête. Cette chose qui t'a longtemps maintenu pliée, cette chose qui t'a longtemps maintenu courbée, cette situation qui t'a longtemps maintenu humiliée et courbée, te lâche maintenant dans le nom de Jésus parce que tu dois relever la tête. Parce que tu dois relever la tête. Toi aussi, tu es héritière et héritier d'Abraham, comme cette femme qui avait été sauvée de son mal, toi aussi, en tant qu'héritière d'Abraham, tu relèves la tête dans le nom de Jésus. Que cette situation qui t'a longtemps maintenu courbée, qui t'a longtemps maintenu courbée dans les liens des familles, ceux qui dominaient sur toi, ceux qui t'ont plié, ceux qui étaient assis sur toi, afin que tu ne relèves pas la tête. Le Saint-Esprit est en train de les déloger maintenant. Si cette maladie s'était assise sur toi, t'avait maintenu courbé, le Saint-Esprit est en train de les déloger maintenant, afin que tu te relèves, afin que tu te redresses, afin que tu ne sois plus courbé. Dans le nom de Jésus, nous le déclarons pour notre pays, ses autorités, ses principautés, ses trônes, qui avait élu domicile en République démocratique du Congo, qui nous maintenait pliés, qui nous maintenait courbés. Nous proclamons la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit répandue. Que la puissance de Dieu soit répandue maintenant, afin de les déloger, afin que notre pays relève la tête. Toi, tu relèveras la tête, car le Saint-Esprit est là. Car le Saint-Esprit est là. Que ces principautés soient délogées. Que ces autorités, ces trônes soient délogés dans le nom puissant de Jésus-Christ.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Que tout obstacle sur le chemin de ta destinée soit aplani, ôté maintenant, dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur a des projets de bonheur pour nous. Il le sait, c'est pour nous donner un avenir fait d'espérance. Que tout ce que le monde de ténèbres, Satan, le diable et ses acolytes ont préparé contre toi, qui ne contribue pas à te donner de l'avenir et de l'espérance, soit détruite maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a dit, je marcherai moi-même au-devant de vous et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, nous sommes au 7e mois de l'année, le 7e jour, le jour du sabbat, le jour du repos. Le Seigneur s'est reposé de toutes ses œuvres. Bien-aimés, nous voulons demander au maître du sabbat, Jésus-Christ, que en ce 7e mois, que le Seigneur nous donne le repos. Le repos par rapport à cette situation qui t'a fait manquer le repos. Que nous puissions rentrer dans les repos de Dieu. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, demande le repos. En ce 7e mois, que tu entres dans ton repos. En son 7e mois, le maître du sabbat, Jésus-Christ, te fasse entrer dans le repos par rapport à cette situation qui a longtemps enlevé ta paix. Cette situation qui t'a fait manquer la paix et le repos. Que le Seigneur t'accorde le repos. Que le Seigneur t'accorde le repos dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, bien-aimé, demande au Seigneur qu'il nous accorde le repos. Qu'il nous accorde le repos. Le repos par rapport à ces prières que tu as adressées à Dieu en faisant venir à toi l'exaucement. Que le Seigneur t'accorde le repos. Que le Seigneur t'accorde le repos. Oui, bien-aimé, proclame le repos de Dieu. Demande le repos de Dieu. Le repos de Dieu qui nous libère des jougs et de la domination des hommes. Que le Seigneur nous accorde le repos dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie. Prie. Oh, implore le maître du repos de t'accorder le repos. Que tu te reposes, que tu te reposes. Oh, de cette maladie qui t'a longtemps dérangé. Que le Seigneur t'accorde le repos en te donnant la guérison. Par rapport à ce problème que tu as longtemps présenté au Seigneur. Que le Seigneur t'accorde le repos en te donnant l'exaucement. Ah, bien-aimé, parle au maître du repos. Parle au maître du repos. Parle à Jésus. Il est celui qui donne le repos. Ah, cette maladie a longtemps dominé dans ta vie. Ces choses ont longtemps dominé. Ce péché a longtemps dominé dans ta vie. Mais que le Seigneur te donne le repos et que tu domines et que tu réussisses à vaincre ce péché. Que tu réussisses à vaincre cette addiction. Que tu réussisses à vaincre ce problème. Que le Seigneur t'accorde le repos. Que le Seigneur t'accorde le repos. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde le repos dans le nom de Jésus. Ah, le repos de Dieu, le Seigneur nous donnera de jouir de nos prières, de nos prières. Ah, nous prierons, oh bien-aimé, le Seigneur en ces 7e mois t'accorde le repos par l'exaucement de toutes tes prières, par l'exaucement des prières que tu as faites depuis le début de cette année. Par rapport à cette situation particulière, il te donne le repos parce qu'il envoie l'exaucement. Il te donne l'exaucement. Ainsi, bien-aimé, tu entres dans le repos de Dieu. Tu entres dans le repos de Dieu par rapport à cette chose qui t'a longtemps dérangé, par rapport à cette situation qui t'a longtemps dérangé. Entre dans le repos de Dieu. Appuie-toi sur Jésus, le maître du repos. Il te donnera le repos. Le Seigneur est celui qui donne le repos de toutes parts.
Ainsi tu reçois le repos dans tous les aspects, les circonstances de ta vie. Tu reçois le repos de toutes parts. Le repos de toutes parts. Le repos de toutes parts, dans chaque aspect et domaine de ta vie. Bien-aimé, commence à citer ces domaines et aspects de ta vie où tu veux jouir du repos de Dieu. Le repos de toutes parts, le repos de toutes parts, commence à citer ces aspects, commence à citer ces problèmes. Là aussi, le Seigneur veut te donner du repos. Ah, à toi dont le mariage est dérangé, le Seigneur veut te donner le repos. Il veut te donner le repos en restaurant l'amour au sein de votre couple. Oui, bien-aimé, le Seigneur est capable. Par rapport à cette situation, là aussi, le Seigneur veut te donner du repos. À toi qui es en train de te demander, ces enfants turbulents, oui, là aussi, dans ce domaine, le Seigneur veut te donner le repos en changeant le comportement de ses enfants. Que le Seigneur te donne le repos. Que le Seigneur te donne le repos dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que le septième jour, le jour du repos, l'Éternel l'a béni et il l'a sanctifié. Bien-aimé, nous voulons demander la bénédiction de Dieu tout au long de ce mois. Il a dit : j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Nous voulons demander la bénédiction de Dieu tout au long de ce mois. Il a non seulement béni, mais il a également sanctifié. Il a mis à part. Nous voulons demander à Dieu de nous mettre à part. Que le Seigneur mette ta famille à part. Qu'il envoie la bénédiction et qu'il te mette à part. Qu'il te protège. Que le Seigneur marque la différence tout au long de ce mois. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, le jour du repos a été béni et sanctifié. Demande la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas quelle forme va prendre cette bénédiction, mais le Seigneur l'a béni. Ainsi, demande la bénédiction de Dieu pour ce septième mois. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne, qu'elle te suive, qu'elle te précède sur le chemin. Que lorsque tu dors, qu'elle soit avec toi. Que lorsque tu marches, qu'elle t'accompagne. Oui, bien-aimé, demande la bénédiction de Dieu tout au long de ce mois. Que cette bénédiction ne te quitte pas. Que cette bénédiction t'accompagne. Oui, le repos, le jour du repos a été mis à part. Que le Seigneur te mette à part. Qu'il te mette à part pour sa gloire. Qu'il te mette à part pour sa gloire. Que le Seigneur te mette à part. Il a sanctifié le repos. Ah, bien-aimé, que le Seigneur l'a mis à part. Que le Seigneur marque la différence tout au long de ce mois pour toi. Qu'il marque la différence tout au long de ce mois pour notre pays. Ah, bien-aimé, s'il y a des gens qui seront comptés parmi ceux qui seront malades, toi tu es mis à part parce que le jour du repos a été sanctifié, il a été mis à part. S'il y a des personnes qui seront licenciées de leur travail, toi en ce septième mois, le Seigneur te met à part. Tu ne seras pas licencié. Toi tu ne seras pas du lot de ceux qu'on va citer. Oh, parmi les morts, tu ne seras pas du lot parmi les statistiques du Covid. Tu ne seras pas du lot. Oh, le Seigneur te mettra à part et il t'envoie la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur à qui nous appartenons crée la différence, la mise à part pour sa gloire. Mais nous voulons aussi, bien-aimés, tout au long de ce mois, nous engager à sanctifier jour après jour le nom de notre Dieu. Ah oui, bien-aimés, jour après jour, nous voulons sanctifier le maître du repos, Jésus, dans nos vies. Que tout ce que nous faisons rende gloire à notre Dieu. Ah, que son nom soit sanctifié. En ce mois de juillet, que nous puissions sanctifier le nom de notre Dieu, que notre comportement, notre attitude, que tout ce que nous voulons faire, nous voulons nous engager, que jour après jour, que le nom de notre Dieu soit sanctifié au travers du témoignage de nos vies, que le nom de notre Dieu soit sanctifié au travers de ton comportement, que le nom de notre Dieu soit sanctifié tout au long de ce mois de juillet.
Nous nous engageons à sanctifier ton nom, Seigneur. Parce que tu nous accordes la bénédiction et tu nous mets à part pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a promis à son peuple de leur donner le repos. Le Seigneur a dit, je vous donnerai du repos dans le pays que je vous ai promis. Il a vu la souffrance de son peuple en Égypte, que de corvées. Il leur a promis de leur donner une terre où il leur accorde le repos. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Parle à Dieu. Rappelle à la mémoire du Seigneur. Que par rapport à cette promesse que tu as reçue de lui, qu'il te donne le repos. Élevons nos voix et prions. Dans le nom de Jésus. À Israël, il a promis le repos dans cette terre qu'il a promis à leur ancêtre Abraham. Oui, bien-aimé, par rapport à cette promesse particulière que tu as reçue de Dieu, que tu entres dans le repos. Si le Seigneur t'a promis des enfants, ah, en ayant ces enfants, que le Seigneur t'accorde du repos. Tu n'auras pas des enfants turbulents parce que dans ce que le Seigneur t'a promis, il te promet le repos. Si le Seigneur t'a promis la bénédiction, si il t'a promis la bénédiction, cette bénédiction ne sera accompagnée d'aucun chagrin parce que tu dois entrer dans ton repos. Oui, bien-aimé, rappelle à la mémoire du Seigneur, plaide pour cela. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Que dans ce qu'il t'a promis, qu'il y ajoute la dimension du repos. Que tu ne reçoives pas seulement la bénédiction, mais que tu reçoives le repos, la bénédiction dans le repos. Que tu reçoives cela dans le nom de Jésus. Que tu ne reçoives pas seulement cet enfant, mais que le Seigneur te donne le repos. Que tu ne reçoives pas seulement ce mariage que le Seigneur t'a promis, mais que tu puisses jouir du repos de Dieu dans ce mariage, que tu n'aies pas seulement ce travail comme le Seigneur t'a promis, mais que tu puisses jouir du repos de Dieu dans ce qu'il t'a promis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur a promis à son peuple de leur donner le repos dans cette terre qui leur appartient, leur possession. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre possession de ce mois. Nous allons déclarer que ce mois nous est donné. D'aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois, jour après jour, tu ordonneras, tu appelleras à l'existence des choses qui n'existent pas et tu le verras. Ainsi, bien-aimé, prends possession de ce mois. Je ne sais pas comment tu veux prendre possession, mais proclame-le. Prends possession de ce mois. De la même manière que Israël a trouvé le repos dans le pays qui leur a été donné, ils ont pris possession de leur pays. Nous aussi, dans ce septième mois, le mois du repos, nous sommes en train de prendre possession. Oui, bien-aimé, prends possession de chaque jour de ce mois. Prends possession de chaque jour de ce mois. Tu les déclares dans le nom puissant de Jésus. Tu le proclames dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas. Tu prends possession du 4. Tu prends possession du 5. Tu prends possession de chaque jour qui passe. Lorsque tu appelleras à l'existence les choses, elles viendront. Lorsque tu ordonneras jour après jour au courant de ce mois, les choses viendront l'une après l'autre. Parce que tu auras pris possession. Ainsi, bien-aimé, prends possession pour toi et pour ta famille de ce mois et de ce semestre. Déclare-le dans le nom de Jésus. Prends possession des choses que tu veux voir arriver tout au long de ce mois. Prends possession de ta santé. Prends possession de tes richesses. Prends possession de ce qui est à toi. Prends possession de ce travail. Ah, toi qui as un entretien, tu as une entretien d'embauche. Prends possession. Prends possession. Prends possession
possession de ce qui est à toi. C'est ton héritage. C'est ce qui t'a été promis. Le Seigneur te l'ordonne. Il te dit de dominer. Ainsi, prends possession de ce mois, de chaque jour qui passe, de chaque jour qui passe, de chaque personne qui viendra devant toi, de chaque situation qui sera devant toi. Tu domineras. Tu prends possession dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prends possession de ce mois. Prends possession de ce mois. Tu ne seras pas surpris parce que le Seigneur te donne. Le Seigneur te le donne. Il te donne ce mois. Déclare ce que tu veux voir arriver. Ah, bien-aimé, notre Dieu est au-dessus de tout. Ce n'est pas à cause de cette situation compliquée que nous sommes en train de traverser que toi, tu ne dois pas vivre la main de Dieu. Prends possession, déclare-le. Oh, parce que le Seigneur est celui qui nous donne du pain dans la solitude. Dans les déserts, le Seigneur donnera le pain. Même si nous sommes en train de traverser cette crise du COVID, le Seigneur ne manquera pas de te donner ce qu'il a prévu pour toi en ce mois de juillet. Déclare-le dans le nom de Jésus. Prends possession dans le nom de Jésus. Prends possession de ce qui t'a été promis. Prends possession de chaque jour de la semaine. Prends possession de chaque rencontre que tu feras. Que le Seigneur te donne la domination, l'autorité devant tes adversaires. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi en ce mois de juillet. Tu écraseras, tu ne seras pas écrasé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est moi t'ai donné. C'est moi te donner afin d'entrer dans ton repos, afin d'entrer dans ton repos. Que tout ce qui ne contribue pas à ton repos soit chassé. De la même manière où le Seigneur avait dit, je chasserai moi-même les nations que tu trouveras. Le Seigneur chassera lui-même les circonstances qui osera s'élever contre nous pendant ce mois de juillet. Dans le nom de Jésus. Il a dit, je chasserai moi-même ces nations au-devant de toi. Le Seigneur lui-même ouvrira le chemin, enlèvera les obstacles, abaissera les montagnes, brisera nos ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons pris possession de ce mois de juillet pour nous et pour nos familles. Nous voulons prendre possession de ce mois de juillet et de ce second semestre pour notre pays. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Ah, de la même manière qu'Israël avait pris possession de cette terre, bien-aimés, nous sommes en train de prendre possession de ce mois. Nous sommes en train de prendre possession de ce semestre pour notre pays. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur lui-même, en ce second semestre, en ce mois de juillet, s'élèvera contre les adversaires du Congo dans le nom puissant de Jésus. Lui-même, il chassera tous ceux qui s'élèveront contre la restauration de l'autorité de cette nation. Le Seigneur lui-même mettra en déroute nos ennemis. Nous sommes en train de prendre possession et le Seigneur nous assure la pérennité dans ce pays qu'il nous a donné. Dans le nom de Jésus, le Seigneur s'occupera de nos adversaires. De la même manière qu'il a dit à Israël, garde silence, je combattrai pour toi. Nous aussi, le Seigneur combattra en notre faveur pour ce pays. Dans le nom de Jésus. Nombre chapitre 23, le verset 20. Notre Dieu est bon. Nombre 23, le verset 20. Bien-aimé, quand j'ai lu ces passages, j'ai été rempli de joie.
Écoute ce que le Seigneur nous dit ce soir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Bien-aimé, nous avons béni ce mois. Tu as reçu l'ordre de bénir ce mois, de bénir ce second semestre. Et personne ne pourra le révoquer. Dans le nom de Jésus, personne ne pourra changer la bénédiction que tu as proclamée sur ta vie. Parce que le Seigneur qui est dans le ciel est en train de sceller les déclarations que tu as faites dans le nom de Jésus-Christ. Il est en train de sceller tes prières. Le Saint-Esprit est en train de mettre les sceaux sur chacune des bénédictions, sur chacune des déclarations que tu as faites, et personne ne les révoquera. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé, pour nous tout au long de ce mois de juillet. Qu'il en soit ainsi pour nos vies, pour nos familles, pour notre pays, tout au long de ce mois de juillet, dans le nom de celui qui vit et règne à tout jamais, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimé, maintenant nous pouvons rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci, lui qui écoute la prière. Lui qui écoute la prière, dis-lui merci, dis-lui merci. Parce que personne ne peut révoquer ce qui est sorti de ta bouche. Ah, bien-aimé, nous avons reçu le pouvoir de Dieu. Ainsi ta bouche a proclamé, personne ne va révoquer, personne ne va révoquer. Oui, bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'exaucement. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, ta bénédiction sur nos vies est irrévocable. Ta bénédiction sur tes enfants tout au long de ce mois est irrévocable. Ah, bien-aimé, de la même manière que Pilate avait dit, ce qui est écrit, que cette bénédiction que tu as proclamée sur ta vie reste ainsi dans le nom de Jésus. Personne ne pourra le changer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pour finir ce temps, nous allons une fois de plus adorer le Seigneur par un cantique. Nous allons adorer le Seigneur pour terminer ce temps. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu mérites la gloire et Seigneur, pour exalter ton saint nom, tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour exalter ton saint nom, car tu es grand, tu opères. Sois, Seigneur, notre adoration en signe de reconnaissance. Éternel, notre Dieu.
côté. Il n'y a personne comme notre Jésus. Personne ne peut bénir, personne ne peut sauver comme notre Dieu. Ainsi, bien-aimé, par nos acclamations, nous voulons lui dire que nul n'est comme lui, que nul n'est semblable à lui. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, pendant que je suis en train de lire les communiqués, si vous avez votre offrande et que votre panier est prêt, vous pouvez le déposer. Nous rappelons le numéro M-Pesa, le 08-55-0 et le RTL Money, le 0-515. Nous avons des actions de grâce. Le département de communication rend grâce au Seigneur pour les anniversaires de naissance de leurs membres. Le frère Russell Matotukila depuis le mardi 30 juin et la sœur Mamie Poutou depuis hier jeudi 2 juillet 2020. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous allons appeler le pasteur pour la communication et la bénédiction finale. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour les autres communications. Nous allons préciser ce dimanche. C'est un dimanche qui est le premier dimanche du mois. Nous aurons donc Sainte-Seine et nous allons donner d'autres indications, instructions de prière pour le mois de juillet. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour le temps que tu nous as accordé de nous exprimer devant toi, mais aussi de t'adorer, de te louer, de proclamer l'autorité que tu nous as donnée, de recevoir de toi tes instructions. Bénis ton peuple, Seigneur, à la fin de cette rencontre, que chacun reçoive de toi la portion de ta bénédiction que tu as réservée pour lui, parce que nous ne pouvons pas nous présenter devant toi et retourner comme nous étions. C'est devant toi, Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et lorsque nous tournons le regard vers toi, les choses de ce monde pâlissent et perdent leur éclat. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es ainsi béni dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée à tous.